De complicación, ahora está seguida de traumatismo craneal. Son intrusiones subespecíficas. Oye, trauma neuro, les da casi. Le trauma neuro profundil. Le trauma neuro con profundo. هذا الدوسيي اللي نقدم له وهذا هو اللي يدور حول كل الموضوع دونك ديجا في تاعنا سي تريبل ديال التريكي اللي تروح التركيز والله هو صغير كنت حتى ما يحبسوهمش يحبسوهم يحبسوهم البروكيت يجيبوهم في اطار في اطار الاكاديمي يحبوا الاكاديمي ما نعرفش شنو هو ولا ما نعرفش اما الذكاء الاكاديمي حتى يجيبوهم يجيبوا لك هذا كحاجه من هكاك سيدي تجي مع الاحتفال ولا والله هذا الطب ديما راهو ما يطلبوكش في 10 ولا كيبان مثلا ديما يحب تلين دي ثلاثه يطلب لك سيتي دو سيتي تروا ما يسيتيش معناها كنت ماشي يقول لك مثلا يعطيك ناصير ويقول لك المريض هذا كان سون ديفيسيون مثلا هو ماشي يقول لك على الكوتي ميديكال ولا شي حاجه تاع هذاك هو في الميديسين فيزيك يقول لك كان سون ديفيسيون كي بريزونس ان سوباسيون فوالا مثلا ممتازين comportement, fonction supérieure de l'institution. Et donc, on a fait le loup de l'enfant. Le loup de l'enfant, on a fait la poussière. Les troubles tendus, l'installation qui est primordiale pour le bénin des activités visieuses. Aux ordres. Oh, elle est en train de faire des moments. Des troubles tendus. On a fait l'installation du bénin. Lorsque la fausse installation des patients peut provoquer des troubles tendus. Peut l'aggraver. L'esprit est primordial pour prévenir les attitudes vicieuses. Attitudes vicieuses. Mais on dit qu'il y a des troubles vicieux, des troubles tournus ou d'un. Il y a des mots qui disent que les troubles tournus sont un attitude vicieuse. Hein, comme ça. Troubles d'espacité, il faut que je te bouche, il y a des attitudes vicieuses. Donc l'installation du tournus. Mais il y a un autre mot, il y a un autre mot. Il y a un orthèse de repos, installation. Une petite orthèse de repos, effectivement, qui a la muscle d'espacité. Donc il y a une réaction. ديما راهو شوفوها بالكتي معناتها سامبل ميز اون بلاس دي بونتيو دي بروموندي ابو فريزي دي عاود 30 مي با فريكون نو لي ترونك دو ميسون فريكون لي توماتيزي كرانيان لا موبيليزاسيون سي مو ا ديمي دي باني سوتو غراف دي موش موش غراف موش فريكون لا موبيليزاسيون دي سي مو ا ديمي دي باني سي اي نيسيسير وي حاولت ما فهمتش كي راهو كان باراليزي تراو موبيليزاسيون موبيليزاسيون انا نحركو فهمتي معناتها انت قصدك هذا معناتها موبيليزي لو باسيون من الموبر هذاك قصدي انا نزوه من الموبر هذاك اما لا نجس دو موبيليزاسيون بالعكس اللي بول مشي للبليجي كي فول موبيليزي اما اللي فول موبيليزي هذاك البراتيلي ومشي للي بول ونعرفو المواني اللي بول بتاعنا نعرفو لا تيت نيميرال ومانيش باش نحطوها في البوزيسيون معناتها لوكسون وهذا قصدي مي لا موبيليزاسيون يلزم ما فماش ارتيكولاسيون راهي ارتيكولاسيون L'application de Croix est parfois utilisée. Et qui m'a rajouté. Le trouble monte le monde devient très proche de l'hypothèse masculine. La répétition des exercices n'est pas indiquée. Mais logique, peut donner un test de tétraparésie. Le recours à des activités motivantes pour le patient est nécessaire. Les dystonies et tremblements et mouvements anormaux sont invalidants. Les troubles neuro-orthopédiques se manifestent par des rétractions bronchomusculaires, par des blocages articulaires ou des régions musculaires, ne peut pas être d'ordre chirurgical, se manifestent par des paraosteo-arthropathies neurogènes, oui, sont prévenus par des mobilisations précoces, oui, toujours là, sont prévenus par des mobilisations précoces, douces, lima douce, cavaux chanteurs. Les paraosteopathies neurogènes sont des ossifications ectomiques développées à proximité des articulations. Le bec américain parle au niveau du muscle, bien au niveau de l'articulation, c'est tout. Voilà, c'est à proximité de l'articulation. Là, au niveau du muscle, là, au niveau de l'articulation, à proximité. Localiser le muscle, bon, range le genou, souvent. Oui, on dit que c'est vraiment qui va. Souvent, révélé par des rétractions inflammatoires, réactions inflammatoires. Hein? Côte chanel, révélé par des douleurs, une diminution des amplitudes articulaires. Oui.
confirmé par la radio, et peut être confirmé, mais c'est pas suffisant, surtout c'est la scintigraphie. Voilà, je trouve. Hein. Concernant les troubles cognitifs et psychoaffectifs, ou manette de contrôle hâtiton, ma table est genou et ne peut plus faire comme ça. Cognitif, psychoaffectif, neurocomportementaux, prescriptif. Les troubles de mémoire à long terme sont présents. L'utilisation des mémoires peut être mise en place plus facilement. Hein? Oui, oui, logique. Ils ont dit ma oui. Ma chante, je m'en fous de la machine. Ils ont dit ma ronde. N'atteint pas la mémoire de travail. L'aide environnementale par l'indicateur de l'économie est un peu plus. Oui. Le prothèse des îles plus utilisé en éducation des cabines noires. Logique, t'as voulu plus logique. Mais c'est pire, pas ça. Et en plus, il y a plus de t'as voulu plus logique. Logiquement. Et t'as voulu plus logique, c'est la prothèse des îles. Bon, elle n'a pas d'air contre la vie, mais il y a ce qui est bien sûr. Mais je ne sais pas ce que c'est, il y a des cabines ici, cabines noires. L'état végétatif chronique. L'état végétatif chronique se caractérise par un diagnostic de sommeil, mouvement oculaire de la tête, sans pénalité. Vous avez quitté des gens, oui, il n'y a aucun problème de tout. Mais il y a un peu de pose la question, il y a un peu de temps. 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 Oui, bien sûr, nous l'achèrent, mais après, bravo, c'est une tendance. Président, c'est une tendance. C'est une tendance. Elle n'a même pas dit que les hommes ont posé. Elle n'a dit que les hommes ont posé. Comme si je me suis dit, on a une enquête qui a été faite. Une hypertonie de membres des écrans avec une position stéréotypée. Logique. Autonomie végétative en jeu. Absence de signes de fonctionnement, de fonction supérieure. Oui, il y a une grande définition. Au cours d'état post-irrationnel, le patient se présente comme un grand déficient moteur, un certain conscience de son environnement identique. Le patient ne peut pas exécuter des ordres simples. Si. Le patient ne peut pas manifester des émotions. Hein? Il manifeste toujours la dépendance. La dépendance reste totale. C'est le dérapage.